permet à Mathieu, Christian et Auguste de rester teenagers. Nous avons également un accordéon dédicacé de Léon à Michel. Alors, nous allons passer à la boîte aux lettres. Cette boîte aux lettres qui n'est pas grande renferme un certain nombre de lettres. Voilà, première. Sylvie donne cours de diction. Elle vous apprend à modifier votre langage. Vous arrivez avec la langue à mâchoire molle. Et en une seule leçon, elle vous donne un air pincé. Jacques donne cours de muligulli en échange d'un poquito d'Orban de Chimay. Sylvie donne cours de maintien. Plus de main devant la bouche, mais une main sur la poitrine, l'autre sur le ventre, et vous toussez. Elle vous apprend à chanter en société, tirez la langue, massez-vous un peu, et allez-y. La fille à Mathurin échange aussi l'idée, n'ayant jamais servi contre violon et accordéon. Sylvie cherche choriste qui doit pouvoir chanter en haut mais plus bas. Et qui ne doit pas être avec elle sur le temps. C'est le seul chef qui demande ça. Si vous ne chantez pas la même voix que les autres voix, c'est que votre voix est différente. Les bras tendus vers eux. Chassez vos complexes. Venez chanter et danser avec Sylvie et Jacques dans la bibliothèque et bravez les écriteaux collés sur la porte. La bibliothèque est un lieu de travail. Les bavardages et déplacements intempestifs sont interdits. Jacques cherche d'urgence basse ténor. Basse et ténor, ceux qui étaient là en début de stage, refusant catégoriquement de chanter qu'ils sont idiots et sans le sou devant les adolescentes d'Olivier. Petit pied timide cherche chaussures audacieuses pour être le point de vue de touristes en manque de rythme. Monique recherche tendresse sous forme de petits becots. Jean Valoué, s'adresser à Jean ou à Colette. Recherche vieille médaille militaire ou légion d'honneur. Peut-être que ces décorations-là, Bernard ne les a pas encore. Perdu fardeau rouge avec étiquette blanche. Prière de la rapporter au bar, merci. Et bien voilà, il me reste juste à prendre vos commandes, les commandes de mon modèle de boîte. Vous remercier d'avoir suivi cette démonstration superstar avec tant d'attention. Mais avant de vous quitter, je vais remettre la boîte cadeau à notre hôtesse. Il s'agit d'un modèle appelé pour mon télécomité et qui renferme mon inscription pour l'année prochaine. Combien de temps, là ? 2 minutes. Alors, on va faire court. Parti. Oui. Voilà.
Il ne me reste plus qu'un morceau sans parole. Jocelyne devait venir avec. Elle n'est pas venue. Oui, il a à peu près. Ouais, il a à peu près mon genre. Pas mal du tout. Beau, intelligent. Non, pas à toi, Christian. C'est parce qu'il me fait signe. Désolée. Désolée. Non, t'es un peu trop grand. Lui, il est juste comme. C'est André. En fait, c'est pas exactement un sketch, c'est juste pour voir si une petite mise au point, un squash, voilà, pour voir si vous avez trouvé. Parce que pour ma part, j'ai cherché nuit et jour. J'ai failli avoir des ennuis avec Julie d'ailleurs parce qu'elle m'a dit l'autre matin. Alors, tu parles en dormant maintenant et tu fais des guili-guili à Lily. Mais c'est pas ça, c'est Lully-Gully. Jacques nous a demandé le premier jour, Lully-Gully, ça veut dire quoi? Alors voilà, Lully-Gully. J'ai cherché mais j'ai pas trouvé, alors j'ai demandé.
J'ai demandé à un musicien. Le musicien, il m'a dit Lully, compositeur d'origine italienne, la cour de Louis XIV. Gulli, là-dedans. Les filles. Donc, c'est pas grave. Une accro de la télé. Qui ça? Lully Gulli? Je vois. Ah ouais! Le blond, là, de l'île de la tentation. Ouais! Dis donc, Beko, il n'y avait pas de tentation. On n'a pas tout unis, en tout cas. Un amateur de danse. Ouais, ouais, c'est la danse qu'on a appris avec Sylvie, là. Mais c'est bien. Sinon, ça ressemble pas du tout à ce qu'on a fait avec Sylvie. C'est plutôt la danse de Saint-Guy. Hein. C'est pas lui. Un bourlingueur. C'est une île, je crois. Une île près de Tahiti, un truc comme ça. J'ai regardé le petit futé, le petit du routard, le petit bleu, vert, jaune, de toutes les couleurs. Une bourgeoise. Élégante. C'est une pierre précieuse, non? Mais non, ça c'est le lapis lazuli, c'est pas le... Alors un scientifique, un précurseur du siècle, qui encore? Un jardinier. Ah ouais, ouais, j'ai autour de mon jardin, là, une haie de Liligustrum. C'est pas convaincant, j'étais très déçu, jusqu'à ce que je rencontre Jocelyne, qui m'a dit, j'ai surfé sur Internet, et là j'ai trouvé une référence d'une chanson, If You Can Dance, de Hurly Gurly. Alors, effectivement, il y a quelques dizaines d'années, après le twist, il y a eu le Madison et peut-être bien, effectivement, le Hurly Gurly. Alors, vous mettez ça à la sauce française, genre Maurice Chevalier, un type qui vient de sa campagne et qui dit Lully Gully, quoi, au lieu de. Hein. Alors, Jacques, maintenant. La minute de vérité, Lully Gulli, c'est quoi? C'est parce que tu as raconté, ça doit être ça. Ça doit être ça. Alors, merci Jacques, et merci Jocelyne. Ah oui, tu me donnes chance. Bien, ça se termine. Mais avant ça, il y a encore un groupe, pas mal non plus. C'est encore des hommes. Oui. Ils vont chanter du gospel. Je pense que un peu rien que pour moi parce que j'adore ça. Voici le groupe. Ma voix. Oh, je lui
en Russie, je vous l'ai vu hier soir, sur une cassette, toute la nuit, il a répété. Et alors, ce sera comme Auguste. Et alors, on a trouvé un petit terfuge. Pour que on vit l'enfant. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qui lui a servi à boire au bar? Je vous enseigne le public. Je vais avoir mal au genou. Bernard, tu peux venir donner la note, il se fait mal au genou. Je comprends pourquoi il n'est pas de premier prix. Bernard va mieux vous aider. On entendra déjà beaucoup moins. Ça y est, de Gugus. Mais au départ, moi, énormément. C'est qu'au départ, Allez, va, Jacques, Jacques. Ah oui,
Ça dure longtemps et c'est solide. Bonsoir à tous et à toutes.